Hello, coucou tout le monde, c'est Jeudi Dream, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour le 10e épisode, il me semble, du Sylvatica Legacy. Et j'ai failli faire des bourdes en fait. J'ai failli faire des bourdes parce que j'ai des nouveaux modes sur mon jeu. D'ailleurs, je pense que je vais vous en présenter quelques-uns, peut-être en vidéo. Voilà, je me dis que ça pourrait être fun. Après, le fait de vous montrer mes builds, ceux qui n'ont pas vu ma petite vidéo qui parle du build où je, ouais, elle sera là, voilà. Le petit i, tu vois. Je vais vous montrer certains modes que j'utilise. Là, j'en ai ajouté, hein, les gars. Je pense que Myrianna, quand elle reviendra à la vie, elle aura envie de fêter ça. Et de fêter ça dignement en mode. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis devenue sage, moi? En tout cas, voilà, c'est mes petites idées. Bon, bah, on va quand même commencer à jouer, hein, sur ce générique. Et voilà! Regardez-moi la gueule de cette femme. Hey, salut bébé, tu vas bien? L'autre, elle essaie de trouver un sens à sa vie. Hein. Ah bah non, elle est morte. Et elle, bah, elle a fait ses devoirs. Yeah! Ah oui, tiens, on était où avec elle? Notre objectif était quand même qu'elle aille en A. Moi, j'ai un plan. Un plan que je veux faire avec Aurélie. Eh ben, on est pas dans la merde déjà. J'ai très envie, je vous avoue, de transformer Aurélie en sorcière, en jeteuse de sorts. Je me dis que ça pourrait être une brillante idée. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Mais qu'est-ce qu'elle a? Maintenant qu'il est mort. Ok! Bon. Nous sentons, on va dire, les énergies négatives. Négative, tu es négative, Myrianna. Tu es trop négative, ça ne va pas. Tu as toute la... Mort devant toi, faut faire plein de choses. Oui, tu es mort en starlette, voilà, niveau Afida Turner. Non, j'aime beaucoup Afida Turner. Oh, j'ai très soif, où est mon champagne? Bon, je l'adore Afida Turner, elle est trop cool Afida Turner. Ne la jugez pas. Je l'aime bien. Réellement, je l'aime bien. Elle me fait marrer. Donc, on va aller dans le monde des sorcières. Parce que je veux qu'elle devienne une sorcière. Je viens de m'immatriculer à l'école, je suis con. Oh, super. Non, ne meurs pas du coronavirus, s'il te plaît. Donc, toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu as faim, louloute? Qu'est-ce qu'on va faire de la petite? Par contre, elle est super tendue. Elle va aller un peu, je pense, jouer dans sa chambre un petit peu. Ouais, on devait, je crois, avoir un truc, tiens. Avoir un enfant avec une qualité personnelle suffisante pour un trait de caractère. Ok, hop, joue au docteur. Qu'est-ce qu'elle a? Pleurer les morts. Oh là 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 là, mais décidément. Bah, en même temps, c'était sa maman, hein. On peut pas. Voilà. Oh, on peut avoir des trucs bien ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Attendez, boutique de récompense, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce que je peux avoir avec elle? Oh, service gratuit, on a déjà? Est-ce qu'on avait déjà pris économe? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais plus. Non, bon, on va économiser pour économe. Donc oui, je pense que demain, on va faire une... Pourquoi est-ce qu'on a deux aspirateurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu branles avec ton sac poubelle? Ah, bah ok, elle se... Bah écoute, voilà. Bon, bah soit. Pourquoi est-ce que ça... Non. Là, il y a des choses qui m'énervent. La fièvre verte? Ah oui, elle est paranoïaque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des fantômes. Tu as Myrianna. D'abord, tu es énervée, puis t'as envie de Ken. Je comprends pas dans ta vie de fantôme. T'es bizarre. Soit. Oh, j'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que vous pensez que si elle possède les chiottes et que sa femme est là, on va posséder les chiottes. Posséder. Ouh, je suis une toilette. Je n'ai même pas fait peur, c'est de la merde. Ça fonctionne pas, c'est sort de merde. Je suis un fantôme, je suis... Elle est vannée, elle en a marre, tu vois. Elle avait déjà pas trouvé de sens à sa vie dans sa vie, bah maintenant dans la mort c'est encore pire. Qu'est-ce qu'elle fait la petite? Oh, elle s'éclate, c'est parfait ça. C'est la grosse éclataxe. Et les responsabilités montent bien, ça c'est bien ça. Oh loulou, t'attends, il est tard ma chérie. Mais non, on va aller au dodo, dit. Faut aller dormir là. Ça va pas du tout. J'avais oublié comme sa chambre était mignonne à ce point. Comment ai-je pu oublier ça? C'est le petit truc qu'on avait fait à la fête des enfants dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pas vu, petit i, comme d'habitude, comme chaque fois. Voilà. Oh louloute, mais elle est encore pas bien. Oh, ça m'ennuie. Oh là là. Il faut qu'on... En fait, je sais ce qu'on va faire. On va essayer
de faire revenir Myriana d'entre les morts. Il faut qu'on le fasse parce que la petite, elle est pas bien, quoi. Elle n'était pas prête à ça. Est-ce qu'on n'avait pas mis le puits magique, là? Je sais plus. Ouais, on avait mis le puits magique. Il faut... On va essayer. En fait, j'en peux plus. J'en ai marre d'avoir Myriana morte. Il est souriant, le visage. Allez. Nope. Purée, j'aurais dû... Attends. Quasiment votre vœu à coup sûr, mais... Qu'est-ce qu'elle a? En mal d'amour, mais... Attends. Comment articulaire, je mangerai le puis avec chuchotant et ravi et exaucant quasiment à coup sûr votre vœu. Celui d'après, c'est la même chose. Et là, quelque chose n'a pas fonctionné, mais il y en a tantôt une lumière est instante. Elle sentait qu'elle était en train de revenir dans le monde des mortels, et puis bam, morte à nouveau. Bam, morte à nouveau, voilà. Yay. Je vais aller dans le monde de la sorcellerie, voir si je peux trouver des choses. Je vais devenir une grande jeteuse de sorts pour te faire revenir, mon amour. Même en fantôme, tu es la plus belle. Myriana, je te laisse la maison. J'y vais, je reviens. Je vais dans le monde de la sorcellerie. Bon, ta gueule, maintenant. Excusez-moi. Ouais, je fais des recherches. Ok, bah merci beaucoup, Harry, c'est super gentil. C'est adorable. Cette équipe, quand même, de modos, d'abonnés, mais j'ai trop de la chance, moi, de vous avoir. Attends, nous, on va... Moi, je vais déjà passer le portail. On va essayer de faire un truc comme ça. Je sais plus s'il y a un truc dans le monde magique pour redevenir... pour ne plus être un fantôme, je sais plus. Mais Indara les avait énumérés la fois passée. Le livre de la vie, ça doit être écrit par un Sims via l'ordinateur. Pour écrire le livre de la vie, le Sims doit avoir terminé l'aspiration auteur de best-seller, branche aspiration, être au niveau 10 dans la compétence écriture. Ouais, ça Indara me l'avait déjà dit. Mais Myriana est morte. Déjà morte. Peut manger de l'ambroisie. L'ambroisie se trouve où? Ouais, d'accord. Les valises en cuisine et gastronomie pour débloquer la recette. Oh, wait, attends. Avec Myriana, je peux le faire. Elle a déjà deux en gastronomique. Elle grabe ça. Oui, effectivement, Itzari, effectivement. Bien vu. Monsieur? Monsieur? J'ai la dalle, monsieur, j'ai faim. What? Je peux cuisiner n'importe quoi là-dedans? C'est nouveau, ça. Quand j'aurai le level, on passe aux ingrédients. Ouais. Tu sais quoi, truc? Je suis en train de me dire une chose. On va essayer un max, je pense, de cultiver. Après, tu peux essayer avec le puits. Ouais, je réessayerai avec le puits. Parce qu'à la base, c'est vrai que j'avais prévu de faire un truc, de faire revenir Myriana quand la petite serait une adulte et qu'elle irait à la fac. Mais non, j'ai trop envie que Myriana revienne. Moi, elle me manque, en fait. Ça me manque de la voir en normal, de lui faire faire ses facéties. Enfin, là, j'ai... Je sais pas, je veux que les fantômes, c'est pas mon truc, en fait. Je devrais pas réagir comme ça, vous allez me dire, mais... Ouais, ça me goûte pas pareil. C'est pas... Enfin, voilà. Voilà, mange un bout, toi. C'est une bonne idée. Voilà, c'est avec lui que j'aimerais bien parler. Plus de choix. Demandez comment utiliser la magie. Mais oui! Allez, hop! J'avoue. Ah. De... Monsieur! Mais moi, j'ai les particules! J'ai les particules! Tu peux lui rendre, s'il te plaît? Par contre, elle, je pense qu'avec sa sauvage, on va aller à l'hôpital. T'es pas dispo? Mais non, j'ai pas envie de parler avec toi. Oh,
Quand il a fait au pata, j'ai cru qu'il allait dire au pas de Gangnam Style. Pas pourquoi. Ne demande pas pourquoi. Je suis en mode. Où tu vas le truc. Est-ce qu'on peut piquer des trucs? Parce que moi, je suis une dalleuse, moi, tu sais bien. Moi, je suis. Bon, je fais n'importe quoi surtout. Là. C'est quoi ça? Oh, je la verrai trop avec un dragon, j'avoue. Allez, salut. Oh, c'est quoi ça? Oh, non, non, je veux la chauve-souris au nez retroussé. La petite chauve-souris. Oui, je veux ça, je veux ça. bon, on est pleine de thunes, en fait. On a la max, on a la maille. On va aller jusqu'ici. Hop, on va aller acheter des trucs. On va aller acheter un balai. On va aller acheter tout ce que... Mais c'est vrai que comme elle est plus axée jardin et tout, je la verrais bien avec sa petite chauve-souris. Allez, vas-y meuf. On va s'acheter un balai et tout, histoire d'être bien. Bon. Bonjour, acheter des balais. Un jour, on va voir Myriana qui va vendre des balais, tu vois. Ce serait le coup. Donc. Balais en bois classique. Voilà, ça c'est bien. On va acheter ça, ça et ça. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on peut acheter? Acheter des ingrédients de potion. Que du dragon. Ça, ça, ça. Oh, un poisson rouge! Non. Oh. On pourrait s'acheter un aquarium pour mettre les poissons et les prendre quand on en a besoin. Acheter des baguettes, des livres et des familiers. Ça, les familiers, j'avoue qu'on s'en fout. Donc, on va prendre une... Ouais, celle-là, la baguette comme ça en bois, c'est parfait. Ouais, voilà. Livre du copier-coller. Allez. Hop. Est-ce qu'elle va s'en sortir pour son premier? Bon. Atterrissage à revoir, hein, Miss. Hein. Bon, elle va rentrer chez elle. Je pense qu'on viendra ici quand la petite sera à l'école. Parce que là, il est 20h, il faut qu'on aille quand même s'occuper un peu de la petite. On en a acheté la blinde de trucs. Ouais, on va vraiment essayer d'avoir un petit... Un petit poisson, ça pourrait être bien. Je vais regarder au niveau, donc du coup, donc ici on a quoi? On avait les petits pois, les poivrons, les champignons. Ça, ouais, nickel. En fait, on va se mettre bien avec tous les légumes là qu'on a eu. Ça c'est bien ça. Fruits du dragon. Je pense qu'on va mettre un pommier d'or parce que les pommiers c'est quand même la joie, hein, ça. C'est quand même la joie. On cultivera tout ça demain. Pam pam pam. La petite, elle a même pas fait ses devoirs. Allez quoi. Est-ce que on va refaire une offrande? Attends, on va mettre la max. Parce que ouais, elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle en a marre. Quasiment à coup sûr. Je veux être vivante. Oh, j'y crois pas. Sans qu'on m'ait baladé, tu vas voir. Encore.
Je n'autoriserai pas cela. Je suis trop contente. Ma chérie, tu es en vie. Oh non. Je vais foutre à pleurer, je vous jure, tellement je trouve ça trop chou. Mon dieu, c'est bon, c'est laissé, je dis calme-toi. Calme ton hypersensibilité, meuf. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, je vous jure. Oh mon dieu, j'aime trop cette sim, je vous jure. Oh, je vous jure, je suis tout émotionnée, là. Attends, on va déjà faire une chose. Ah voilà, action, slice of life. Santé. Je peux pas Bon, si je fais ça à l'hôpital, hop. Bon, elle a pas vu sa fille, mais voilà, la surprise. Coucou, maman est revenue, la petite qui meurt, en fait. Elle a fait cette voix? Ouais, elle a fait cette voix, super. Ouais, oh là là, mon dieu, je suis tellement contente, vous avez pas idée comme je suis trop contente, là. Enfin, si. Peut-être, sûrement. Oh là 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 là, je vous jure, je suis trop happy, là. À la base, je vous que c'est pas ce que j'avais prévu à la base, j'en avais parlé avec Indara. Je me suis dit que j'ai fait une petite cinématique et tout, mais je vous avoue, non, Mirella me manquait trop en fait. Là, je suis trop contente qu'elle soit. Je suis trop contente. Mais du coup, Mirella, elle a connu la mort. Elle est en mode. Attends, elle a été bien spécifique, c'est quoi? Renaissance miraculée, deux bras, c'est bon, deux jambes aussi, impossible de traverser les murs, confirmé. Mirella a fait son retour parmi les vivants, mais elle a conclu un pacte avec la faucheuse qui lui garantit une résurrection instantanée en cas de mort inattendue. Mirella peut dormir sur ses deux oreilles maintenant qu'elle sait qu'elle vivra une longue vie remplie avant de mourir à un âge avancé. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer de bosser sur l'écriture. Elle est niveau 9. Allez, on va pas. Je suis divisée entre le fait de faire devenir Mirella super parent et de lui faire retour de best-seller. Maintenant, on pourrait apprendre la recette de l'ambroisie. Je suis un petit peu émotionnée par ce qui vient de se passer, par le retour de notre Mirella. Ah là, voilà, voilà, elle est rentrée, elle est revenue, hop. Va te reposer aussi parce que... voilà. C'était un peu particulier quand même, hein. Et maintenant, tu ne sais plus posséder les toilettes maintenant, c'est fini. Notre famille est de nouveau en réunion. Par contre, je vous préviens, elle va se faire de la maille, les gars. J'ai un mode. Mirella, tu vois, elle a vu la mort. Elle a vu la faucheuse. Elle a vu des choses qu'elle n'a pas envie de voir, tu vois. Elle a vu l'autre dimension, l'au-delà. Et elle s'est dit, non, je ne veux pas. J'ai un mode. C'est très Mirella, je vous préviens. C'est très ancienne Mirella. Only Sims, s'il vous plaît. C'est l'heure de se faire de la thune. Donc voilà, Mirella va poster des photos sur OnlySims. Ah, hey, je me fous de votre gueule ou pas? Non, hein. Je vous respecte, non? Mirella, s'il te plaît. On va essayer de faire un truc, donc on va essayer de la rendre enjôleuse. Tu es encore plus belle quand tu es vivante, ça fait trop du bien de te voir. Oh là là, tu m'as tellement manqué, ma Mirella d'amour. Qu'est-ce que je t'aime, ma chérie. Ah. Très enjôleuse. Attends, c'est le moment. It's time, les gars. It's time. Prendre une photo sexy. En plus, ça augmente ma notoriété, wesh. Elle s'est fait 340 simflouzes. Et hop. Elle a gagné des abonnés. Tu sais ce qui irait bien sur toi? C'est moi. Ouh. J'adore ce jeu. Attends, on en refait une deuxième. Oh, excellent. On va poster une story. Oui, attends.
mode, je valide. Je le valide. Je le valide. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, ça va. Vous voyez, je suis en mode, et ça truc va pas. Je suis en train de délirer toute seule, tu vois. Oh, c'est ouf. Bon. On va faire ce qu'on avait dit. Elle va aller à l'hôpital parce qu'elle est pas en super forme, tu vois. J'aurais tout vu. J'aurais tout fait dans ce jeu. Se faire vacciner. Allez, vas-y. Hops. Et donc, repas casse-couilles, on va essayer de se faire des trucs bien, tu vois, parce que, donc on va aller se faire vacciner, nous, puis après, dès qu'elle revient, on va jardiner. On va clairement jardiner, je pense que ça pourrait être pratique. On va essayer de... Je sais pas ce qu'il faut pour l'ambroisie, je vous avoue. Ah, super. Niveau 3. On va laisser ça de côté, hein. Je vais faire un deuxième repas gastronomique, je pense, mais un truc... genre macarons, amandes ou quoi. Ça, ils auront de quoi de petit déjeuner, tu vois. Ça pourrait être bien. Yeah. Bien pour le goûter de la petite. Maintenant, on peut déjà peut-être essayer de lui avancer aussi sa carrière enfin ses compétences d'écriture, ça on peut aussi. Hein. Écrire un livre de genre non-fiction. Alors je t'explique. Non. Tu vas plus être tendue en fait. Tu as été à cause d'un bug, je le redis. T'es morte. Tu ne mourras pas de ça. Voilà. Je suis entre les morts, mais elle est revenue à la vie. C'est un miracle. J'en bafouille là tellement je suis toute émotionnée. Super. On va aller publier ce livre-là, écoutez. Hein. Voir si ça va fonctionner ou quoi. Voilà. Oh, regardez-moi ça, la petite famille, là. Vous savez de quoi j'ai envie? Je vais vous réserver une surprise pour la prochaine fois. Pour les prochains épisodes. J'ai une idée de fou. Qui va être juste trop bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Plan d'un soir! Mais c'est pas un plan d'un soir, c'est ta femme! C'est ta copine! Faut pas que j'oublie après le live du coup de faire ce que je veux faire. Mais écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Cet épisode a été fort en émotion pour moi. Je sais pas quand elle va avoir un A. On espère qu'elle va avoir un A bientôt. Hein, ouais, bientôt, regardez. Bientôt. Bon, clairement pas le lendemain, on est d'accord, mais à mon avis... Semaine prochaine, Sims, je pense que ça sera bon. Donc ben moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais des énormes bisous. Le petit commentaire, le petit pouce en l'air. Prenez soin de vous, soyez vous-même. Ciao, ciao.